Alors, Baba? Alors moi, je suis zen, tout va bien, Tu parles je me comme sens ça, ouais. bien. Oh, ça Donc voilà, nouveau défi pour les run-to-air. Alors là, du coup, on n'est pas beaucoup parce que c'est un petit peu un défi de dingue. va. On a perdu sur la route, là. Voilà, on en a perdu un peu sur la route. Donc du coup, on a des équipements un petit peu différents. C'est un semi-marathon. Le semi-marathon le plus difficile d'Europe, selon lui. Voilà. Ouais, ça c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Donc l'objectif, c'est de partir de Bédouin et de monter au sommet du Mont Ventoux, donc 21 km, 1400 mètres de C'est dénivelé. pas moi qui le dis, c'est Google qui le dit. Google, il dit. Bon, Eh oui. voilà. Donc il a réussi à nous traîner sur une course assez hard. On verra ce que ça donne. L'objectif, c'est d'arriver avant Baba au sommet. Voilà, c'est le seul objectif. Hein. C'est Voilà. dégueulasse. C'est comment ça? C'est pas gagné, moi je vous le dis, parce que Baba elle est en forme. Hein. Baba, elle est en forme. Et toi, le cow-boy? Moi ça va. Hein. Ça va? Comme d'hab. Comme d'hab. Alors Comme il a décidé. Je pars à fond et j'arrive à un rampant. Un rampant. Mais tu sais que. Oh, mais qui vois-je à l'horizon? On dirait ton frère derrière moi. Oh, mais qui vois-je à l'horizon? Double, double. Oui, c'est moi la plus belle, c'est moi. Alors, le passage obligé avant une course, toujours les toilettes. Ça va, papa? Casse toujours mon image, ah, c'est bah. Dingue ça. Donc, ça va, grand? Alors, grand, il se concentre parce qu'en fait, finalement. On pensait qu'il n'avait pas de rival. Et il a un rival. Il y a passe-passe, c'est dans la place. Eh oui, le sosie de Nadal est là. Alors papa, oui. Tu sais où on va là? Non. Si, t'es habitué. On va sur la ligne de départ. Je peux pas y aller. Ah non, mais là, moi non plus. Je sais pas pourquoi. Je suis pas comme d'habitude. Non, ça fait pas comme d'habitude. Voilà, bon en fait c'est 500 participants, ils sont tous affûtés, donc déjà on n'est pas habitué, voilà. 500 c'est pas beaucoup hein, bon, bah, pour un semi. Je vais connaître la première sensation d'être dernière. Non, on va savoir ce que c'est. Je vais fermer la première marche. Il a la trouille. Ça va le faire. Ça a la trouille. Hein? Non. De quoi? Hein? La trouille de quoi? De trouille, bah. La trouille de finir deuxième. Il est derrière toi. Bon courage à tous. Bon courage à tous. Très beau. Et voilà. Encore 14 km, 29%. Dur, très dur. Et revoilà celui qui me met un coup au moral à chaque fois que je le vois. Et là, je vais pleurer. Mais non. Merci monsieur. C'est un plaisir de vous rencontrer. 15 km de la montée,
Je suis Jacquite. Et c'est quand tu te fais doubler par un mec qui pousse une poussette que tu sais que t'as touché le fond. Alors, finalement, en mode plus marche de Nimègue que course à pied. Très très dur. C'est bien vert. C'est beau. Ça grimpe toujours. Bon bah Sébastien, je te hais. Encore 7 km. Les deux tiers sont faits. En mode marche. Je peux plus du tout courir. En fait, je cours aussi vite que je marche, donc autant marcher. Allez, le fameux chalet Reynard. On va bientôt sortir de la zone des arbres. On va être dans une zone peu de cailloux. Donc là, par contre, la température, elle est idéale. Par contre, il y a un petit peu de vent. Les conditions sont bonnes. On va aller jusqu'en haut. Franchement, je comprenais pourquoi j'avais l'appréhension au début. Au départ, j'étais pas serein. Et je comprends mieux pourquoi. Kilomètres. L'objectif là-haut. Et voilà l'objectif. Comme au mois de mai. Ouh, ça sent bon signe. C'est bon signe, c'est bon signe. Allez, moins de 2 km. Et c'est fini. Bon, c'est la technique. Hein. On était venu s'entraîner au mois de mai. Mais là, comme c'est en mode course, c'est beaucoup plus compliqué, forcément. Voilà, ça c'est cool. Donc on va rejoindre les copains en haut. Et on va fêter ça. Avec une bonne bière du Ventoux. Quand même. Hein, on choisit pas n'importe laquelle. Et là, copains de course à pied. Voilà. Alors, tu viens d'où ? À côté de Lyon. À côté de Lyon. Ouais, à côté d'Ivoire, exactement. Ok. Donc, ça monte aussi là-bas. Ça monte aussi ? T'as de quoi t'entraîner ? Ouais. Si j'avais pas deux enfants à m'occuper, ah, je pourrais m'entraîner. Ouais. Alors, attends, t'aurais pu le faire avec une poussette, en mode guerrier. J'ai déjà fait ça entraînement pendant 2 mois. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors, tu t'attendais pas à du bitume ? Non, on a pris cette décision entre 3h et 4h du matin. Oh, ah ouais? Avec mon beau-frère et ma femme. Ah ouais, d'accord. On nous a emmenés là-dedans. Et puis, oh, bah c'est bien. Je t'ai dit que c'était une bonne idée, sans forcément évaluer les risques. Merci. On est exactement aux 300 coureurs qui sont arrivés, puisque nous avons. Vous vous rendez compte quand même, hein, que je dois toujours avoir un travail assez étranger. Vous avez fait tout la légende du même temps. Et c'est pas quelque chose de formidable, ça, hein, mais. Vous vous rendez compte que celui de cette. Ce bon parcours de votre en permanence le mérite. Vous avez réussi à grimper. Ça y est, c'est fait. C'est le toit de la Provence. Flo, les reporters. Non, eh bien. Bravo, bravo à vous. Oh, regardez.
la poussette. Allez, Baba, allez. Ah, c'est super. Ouais, super. Allez, tu y es. Allez, tu y es. Allez, allez, Baba. Allez, tu y es. Tu y es, Baba. Allez, c'est bien. C'est super ce que t'as fait. C'est super. C'est super, Baba. Allez, allez, allez. Allez, Baba. Allez. Allez, ma Baba. Allez. Allez, Baba. Allez, Baba. Allez. Allez. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Baba. Tu l'as fait. Tu l'as fait, Baba. Voilà, ma belle. Viens. C'est bien. C'est bien. Tu l'as fait. C'est bien. C'est bien. C'est bien, ma belle. C'est bien, ma belle. C'est bien. Tu l'as fait, c'est bien. C'est bien, tu l'as fait. C'est la course la plus dure d'Europe. C'est le marathon le plus dur d'Europe, Baba. Le plus dur, tu l'as fait. Tu l'as fait, t'es une championne. Voilà, défi, défi réalisé, défi réalisé, Baba. Voilà, ça c'est bien. La course, très dure. Très dur, bon, c'était un défi de dingue, de toute façon c'était un défi de dingue, on avait prévu que c'était, ça allait être dur, donc bah, ça a tenu tous ses engagements, voilà. Voilà, au sommet du toit de Provence, super fier, super fier, super fier d'avoir gravi cette montagne, voilà, ça valait le coup, s'entraîner. Et voilà, c'était le semi du Ventoux 2022, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain défi.